Bouaké, peu avant le coup d'envoi du deuxième match de la poule A opposant la Côte d'Ivoire au Nigeria, les rues sont désertes. À défaut d'être au stade, tous sont rassemblés devant les petits écrans pour ne rien manquer de ce choc. Les maquis et les villages cannes sont pris d'assaut. Les supporters ivoiriens sont confiants et croient en la victoire des éléphants. Je sais que ça serait un match difficile. Moi, je suis suivi l'effectif de l'équipe. La Côte d'Ivoire va gagner. La Côte d'Ivoire était toujours une grande équipe. Voilà, donc ce match, on va gagner 100%. Pour les supporters des Super Eagles, ce match s'annonce difficile, mais l'enthousiasme y est. Le match face à la Côte d'Ivoire s'annonce difficile pour le Nigeria. Nous sommes là pour jouer au football, car cela nous unit. Mais je crois que le Nigeria va l'emporter par un but d'écart. Coup de sifflet final, 1 à 0 pour le Nigeria. Nous sommes plutôt confiants pour le dernier match. Et je pense que ce match-là sera pour nous décisif. On n'est pas assez découragé, même si on aurait voulu gagner ce match-là. Je suis très découragé des Ivoiriens, vraiment. Les Ivoiriens, on croit beaucoup sur vous. Découragement n'est pas ivoirien. Cet adage national prend tout son sens avec le dernier match des éléphants. Tous les Ivoiriens croisent leurs doigts pour ne pas revivre la même situation qu'en 1984 où la Côte d'Ivoire est sortie au premier tour.